Allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ETS2, très heureux de vous retrouver. Juste, est-ce que c'est normal ce qui s'affiche à votre écran maintenant, tout de suite? Voilà. Alors j'ai vu ça l'autre jour et j'étais en mode... Ok, ça s'est joué à très peu. Ça s'est joué à un vote en fait. Il y a un mec qui a voté, qui s'est dit « Ouais, bah je sais pas trop quoi prendre, on va prendre au pif. » Et qui a fait que ça a changé le destin. Enfin, changer le destin. Pas vraiment, parce qu'écoutez, une surprise n'en cache pas, en cache une autre en fait. Voilà, et du coup, double surprise. Donc déjà le sondage, merci à tous d'avoir voté. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir de voir votre avis. Avis qui est assez partagé, quand même au final. Et au final, très équilibré, puisqu'on a 51 votes pour la Truckers Map et 50 votes pour la Hungary Map. Cependant, j'ai l'immense tristesse de vous annoncer qu'on va rouler ni sur la Truckers Map ni sur la Hungary Map. Pourquoi? Parce que ces deux maps ne sont pas compatibles à 1.28. Du coup, j'étais très triste. Voilà, donc j'ai cherché la Truckers Map, puisque c'est la Truckers Map qui a gagné le sondage, en 1.28 et elle n'est pas compatible. Du coup, j'étais vraiment très triste et je suis allé sur ETS2LT. Et j'ai trouvé une autre map qui a l'air un petit peu dans le même style, c'est la Czech Map. Du coup, sur laquelle on va rouler actuellement avec un Man TGX 2010... Avec un... Comment on appelle ça? Une pince? Non, comment on appelle ça? Les gars, je manque de vocabulaire. En tout cas, on transporte des grumes, donc des gros rondins de bois, et du coup, on va être grumier dans cet épisode, avec un camion qui, pour le coup, va très bien avec la cargaison, et ça, c'est... Mais comment on appelle ça? Bah, une pince, une... J'ai perdu le mot. J'ai perdu le mot, voilà, mais en tout cas, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, il est 18h... 24, et du coup voici le camion, mesdames et messieurs. Voici le camion de cette vidéo, on va prendre une photo quand même parce qu'il est vraiment magnifique. À savoir que j'ai modifié plein de modes, du coup mes packs de Jazzycat ont été mis à jour. Au niveau des packs de remorques, on a les mêmes que la dernière fois, sauf que c'est buggé, donc je vais certainement virer d'autres, etc. Là pour les grumes, c'est une remorque de base, hein. Là celle que j'ai, c'est une remorque de base. Mais je vais essayer du coup, en fait je pense qu'on va virer les remorques de Christophe. Désolé pour toi mon petit Christophe, mais du coup on va les remplacer par des remorques convoi exceptionnels si vous voulez, puisque regardez un petit peu la check map ce qu'elle offre. Donc c'est tout petit, hein, voilà, c'est tout petit. Mais du coup je me suis dit qu'on allait se faire des petits épisodes convoi exceptionnels, ça pourrait être sympathique. Voili voilou. Du coup les liens du camion, de la map en description mesdames et messieurs. Et let's go. Let's go, let's go. Alors du coup le camion est vraiment cool. En tout cas, franchement, je le trouve très sympa. Par contre, juste un petit truc. Comme à modifier. Voilà. Nickel. Le camion est très très cool. Franchement, très fun. Regardez, on est sur du quadruple essieu. Donc, on a 4 essieux, un avant et 2 à l'arrière. Avec essieu relevable. Donc, regardez, c'est la roue juste à l'arrière que je peux relever. Mais là, étant donné qu'on a quand même 22 tonnes de bois, on va le baisser. Voili voilou. Et au niveau de la remorque, c'est une remorque Schwarzmuller, donc du DLC Schwarzmuller. Très jolie aussi. Du coup, voilà, on va mettre nos petits gyrophares. Et let's go, petit convoi exceptionnel. Bon, du coup, convoi exceptionnel, plaque française. Mais bon, il n'y avait pas de plaque tchèque. Voilà. C'est un mode allemand, comme vous pouvez voir sur la petite plaque qu'on ne peut pas modifier, la plaque allemande. Mais en tout cas, en rouge comme ça, je le trouve très joli. En plus, ça va vraiment bien avec la remorque. L'ensemble est vraiment tip top. Du coup c'est parti pour livrer du bois mesdames et messieurs, 22 tonnes de grumes, à Polesovice, je sais pas du tout comment ça se prononce. Et on est actuellement à Zlekov, voilà, je sais pas du tout comment ça se prononce mesdames et messieurs. Mais en tout cas voilà, en tout cas let's go, ça va pas commencer à laguer s'il vous plaît. Let's go, du coup on est malheureusement pas sur la Truckers Map, j'aurais bien voulu y être. On est sur la check map, donc c'est pareil, pays de l'Est. Après, ça risque d'être un petit peu plus soft, quoi. Voilà, on va pas avoir de grosses routes comme je voulais, vraiment, si vous voulez, accidenter, etc. Ça risque d'être un petit peu plus soft, mais bon, ça va être bien sympa quand même, je l'espère. Alors, oula, attention, là, c'est à gauche, par contre. Nickel. En tout cas, le camion est bien cool. On va le garder pendant plusieurs vidéos, je pense. Le camion est quand même vachement sympa. Au niveau des sons et tout, pareil, le tableau de bord il a été refait. Le
tableau de bord qu'on a là, nouveau rétroéclairage du GPS, etc. Tout est en rouge. Franchement, le camion est vachement cool. Donc je vous le recommande, c'est fait par XBS. Et du coup, voilà, ça va vraiment bien pour le coup. Là, je suis vraiment grumier, quoi. Enfin, là, on est vraiment dans le délire, quoi. Avec la grue, bah voilà, justement, ça s'appelle une grue, en fait. Le truc que j'ai... une pince. Bah oui, ça s'appelle une grue, en fait, dressure. Excusez-moi, je suis un peu en décalage. Par contre, voilà, les lags, c'est un peu moyen. Genre, vraiment très moyen. Genre, vraiment très, très moyen. Du coup, découverte de cette nouvelle map, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, on virera certainement des mods. Parce que j'en ai qui servent à rien. Du coup, on modifiera certainement ça. Voilà, voilà. Comme le mode trafic, parce que là j'ai le mode trafic, mais regardez, on n'a pas du trafic, donc je pense que ça influe pas dessus, clairement. Donc du coup, je vais le virer. Les remorques de Christophe aussi. Du coup, puisque la map est beaucoup plus petite, on va se concentrer vraiment sur des livraisons qui vont être convois exceptionnels. Donc je pense que ça va vous plaire. À ce niveau là wali walou. Du coup voilà, au niveau des remorques de Jessica je laisse, par contre voilà, au niveau des, je pense que voilà, je vais vraiment virer tous les modes de remorque en fait pour garder que du convoi exceptionnel et du truc sympa pour les prochaines vidéos. Alors à savoir, écoutez, que c'est du temps réel hein. Donc là il nous dit 10 minutes de trajet, c'est vraiment 10 minutes. Donc la map, comme je vous dis, voilà, n'est pas très grande hein, clairement. Mais bon, écoutez, malheureusement c'est que ce que j'ai trouvé. Sinon il y avait aussi la Indomap. C'est une map qui est en Indonésie, mais j'avais pas la foi de rouler à gauche, etc. Et de voir tout le délire. Du coup on est sur la check map. Voilà, alors à savoir qu'il va y avoir un tutoriel qui va sortir très bientôt pour installer l'Italie map. Voilà, donc pas de problème là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà. Hop. Du coup on va se mettre à 50 km/h, puisqu'on va respecter les limitations de vitesse. Du coup, j'espère que la Hungary, elle était compatible 1.27. La Truckers, elle était compatible 1.26 de mémoire, donc c'était encore pire. Donc clairement, va falloir que on trouve. Du coup, fallait trouver une alternative, quoi. Du coup, j'ai décidé de faire sur cette map, mais j'espère que ça sera corrigé bientôt. Clairement, parce que voilà, c'est un petit peu dommage, quoi. Moi, je voulais vraiment vous faire la Hungary ou la Truckers map, puisque c'était des maps qui étaient vraiment accidenté et tout, puis c'était ce qui m'intéressait, quoi, clairement. Bon, là, du coup, on est sur une map check, on est toujours dans les pays de l'Est, comme vous pouvez le voir, mais bon, ce sera moins fun à faire, entre guillemets, quoi, ce sera moins... voilà, il y aura moins de portions accidentées et tout. Sinon, il y avait la Russe map aussi à faire, mais Zenix faisait... voilà, avait déjà fait des vidéos dessus, donc... puis voilà, je voulais vraiment vous faire soit la Hungary, soit la Truckers. Du coup, je me suis dit... quitte à pas faire la Hungary ni la Truckers, on va se lancer dans un truc plutôt court. Donc là, la check map que je vous présente. Voilà, donc on est en République tchèque, hein, pour ceux qui n'avaient pas fait le lien. Du coup, voilà, je me lance là-dessus, comme ça fait un truc un peu court. Et puis après, on peut reprendre sur une Hungary ou sur une Truckers. Bah, du coup, ça fera beaucoup quand même. Du coup, voilà, pourquoi pas tester cette petite map, donc pays de l'Est. Après, faire une petite map Europe. Donc peut-être une petite map allemande qui corrige des trucs. Il y a aussi Paris Rebuild qui est à faire, mais bon, c'est vraiment mineur comme changement, donc ce sera que une, deux vidéos. J'aimerais bien faire un truc un tout petit peu plus long quand même. Et après ça, après avoir fait une petite portion du coup de map européenne, on se lance là pour le coup dans la Truckers ou dans la Hungary. Enfin moi ça me ferait vraiment plaisir, parce que c'est vrai qu'enchaîner la check map et après la Hungary ou la Truckers, ça va faire beaucoup de vidéos pays de l'Est. Du coup, revenir sur un petit truc un petit peu français après la check map, enfin français, un petit peu européen quoi, si vous voulez, en tout cas Europe de l'Ouest. Pour la Truckers, ça me ferait plaisir, peut-être tester, voilà, un petit bout de, je sais pas, il y a peut-être des maps espagnoles, peut-être des maps anglaises aussi, voilà, des trucs sympas. De toute façon, il y a forcément des trucs cool à tester, hein. Donc là-dessus, je me fais pas de soucis. Hop. En tout cas, le camion est bien sympa. Seul petit défaut, écoutez, c'est que là, j'ai mes feux, donc feux de position, feux de croisement. Et en fait, les feux en haut, regardez, donc sont jaunes et sont très jolis, mais ils ne marchent que en plein feu. Et du coup, c'est un petit peu dommage, quoi. Wally Wallou. Alors par contre, le collègue, il avance pas avec sa remorque Krone. Clairement, il avance pas du tout. Hop, ça y est, il accélère un petit peu le pas. Hop. En tout cas, c'est la première fois du coup que je suis vraiment grumier pour le coup, parce que là, comme je vous dis, avec le mode, ça passe nickel, quoi, la grue et tout. Bon, ça aurait été encore mieux en terrain accidenté comme j'avais prévu de le faire, mais clairement ça passe quand même vachement bien. Alors est-ce qu'on peut le doubler, le copain?
peut tenter, hein. Non, on va tenter rien du tout en fait. On va rester sagement derrière lui. En tout cas, comme je vous dis, les sons sont vraiment sympas sur le mode. Mais là, vous voyez quand même que la route, elle est quand même assez étroite, hein. Clairement, là, la route, elle est quand même assez stringée, quoi. Mais bon, c'est justement ce que je recherchais, voilà, en voulant faire la Hungary ou la Trucker, c'était vraiment du défi, quoi. Et du coup, bah, ça m'attristait vraiment de voir qu'elles étaient pas dispo. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, on va faire un petit truc. Voilà, un petit truc encore en pays de l'Est pour compenser. Et après, on fera une petite map, pareil, donc à petite modification Europe de l'Ouest ou même un petit truc peut-être américain. Ouais, américain, peut-être pas trop en fait, parce que je dois revenir sur ATS aussi pour tester les triples remorques. Je sais pas, je verrai, hein. Je verrai, mais après, on partira du coup soit sur la Hungary Map, soit sur la Truckers. Voilà, j'ai très peur parce qu'en fait, la Truckers, elle est pas du tout mise à jour. En fait, donc c'est celle qui a gagné le sondage, quoi. Elle est pas du tout mise à jour cette map, et du coup ça me fait très très peur. Et je suis un peu là en mode mon dieu, elle va jamais être mise à jour pour la 1.28, quoi. Donc du coup ça m'attriste et je sais pas trop quoi faire. Du coup on va faire la check map et notre petite map en attendant. Et puis si la Truckers map n'est pas mise à jour, mais que la Hungary ici, parce que la Hungary map elle est vraiment mise à jour régulièrement, bah écoutez, enfin voilà. On ira sur la Hungary, tant pis, mais bon. Voili voilou, quoi. Du coup, on est à Nedankonice. Bah, je sais pas lire, hein. Je sais pas lire, je sais pas prononcer. Donc, clairement, pas me demander. Par contre, on peut peut-être faire des petites photos assez sympathiques. Là, dans ce petit village. Que je trouve très joli. Hop. Voilà. Nickel. Nickel. Hop. Parfait. On peut en faire une dans l'autre sens. Ah, c'est joli là. Là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hop. Nickel. Hop, voilà, nickel. Parfait. Du coup, en fait, c'est un TGX. Comme je vous dis, un TGX 2010. Mais juste, en fait, il y a les feux qui ont été changés. Enfin, là, c'est un pare-choc un petit peu spécial. Justement, pour... alors, pour du forestier ou en tout cas du convoi exceptionnel, quoi. Voilà, du heavy cargo. Donc, c'est ce que je trouvais vraiment attractif dans ce mode. C'était vraiment cet avant avec les feux qui sont différents, quoi. Et après, la grue, bah, alors là, c'était la cerise sur le gâteau. Du coup, je me suis dit, boum, on va prendre une remorque comme ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette map, sur la check map, du coup, on a beaucoup plus d'entreprises type John Deere, etc. D'entreprises, comment on appelle ça, Steinbrush, qui s'appelle du coup avec le Real Company logo, je sais pas comment ça s'appelle. Mais on a beaucoup plus de carrières, d'entreprises du coup de forestiers, etc. Et donc, du coup, bah, c'est ce qui va faire qu'on va faire plus de convois exceptionnels et tout. On a beaucoup moins d'entreprises, si vous voulez, classiques, quoi, comme des DHL, etc. Ce genre de truc. Voilà, voilà. Coucou, collègue. Hop. Oula, avec son ambulance, lui, il est pas très bien garé. Hop. Nickel. Nickel, nickel. Alors, on a encore combien de temps? On a 4 minutes. Nickel. Donc, comme je vous dis, voilà, c'est vraiment du temps réel, hein. Alors, on peut peut-être faire un petit tour. Écoutez, ok, non, là, c'est vraiment un parking très, très léger, là. Ce qu'ils nous ont fait ici. Ce qui est bien aussi, voilà, c'est qu'il y a plein de trucs à visiter. Écoutez, comme là, il y a un petit chemin qui amène peut-être à un endroit sympa. Enfin, il y a plein de choses à visiter sur ces types de maps qui sont pas marquées. Regardez, là, mettons, j'ai envie d'aller là-dedans. J'ai envie d'aller là-dedans pour voir où ça mène, quoi. Bon, en espérant pas tomber sur un mur invisible. Ah. Forcément, il suffit de dire... Ok, c'est un mur invisible. C'est un mur invisible. Excusez-moi. Oula. En plus... le camion il est un peu keblo. Ah non, en fait c'est pas un mur invisible, c'est juste que le camion est bloqué, merde. Attendez. On s'est engouffré dans un truc qui est un peu moyen. Ah ouais, on est bloqué carrément. Même avec le blocage de différentiel, ça passe pas. Attendez, j'ai bloqué le camion avec mes conneries. J'ai bloqué le camion, attendez, on va virer la remorque. Oui, bah excusez-moi. Ouais, le camion il est bloqué de chez bloqué, attendez, on va reculer. Hop,
parce qu'en fait c'est... Ouais, c'est en propulsion le camion, donc dans tous les cas, ok. Bon là on est en train de créer un énorme bouchon, mais bon, hein. Voilà. Ouais, parce que... Ouais, c'est les deux roues qui sont motrices, là. L'essieu relevable, il est pas du tout moteur. On a réussi à se bloquer quand même. Je suis plutôt fort, hein, je trouve. Personnellement, je le trouve plutôt fort. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Putain, c'est bien bloqué en plus. Hein. Bon, voilà, faites attention, mesdames et messieurs, parce que c'est pas parce que vous avez un camion qui a un peu allure de convoi exceptionnel ou autre que c'est un camion convoi exceptionnel. En tout cas, châssis haut, mais là c'est n'importe quoi comment je me suis mis. Oh là là. Mais on va pas pouvoir se débloquer, hein. C'est impossible qu'on se débloque, à part si je fais ça. Et là j'ai presque touché le sol en fait, c'est ça qui m'embête. Ah là, je recule là. Ah, on recule tout doucement. Hein. Sûr, hein. En fait, je pense qu'il faut dételer, rateler, dételer, rateler. Ah, là c'est mieux, là déjà. Là, je sens qu'on touche. Attendez, on passe en manuel. Baisser de quelques centimètres. Ah, nice. Oula. Nice, c'est bon. Oh là là, le bazar. Le bazar, le bazar. Je sais pas combien de bouchons j'ai créé, mais ça doit faire beaucoup. Attends, ça lag en plus. Par contre, il va falloir qu'il bouge lui avec son Tiguan. Enfin, pardon, son Touareg. Allez, avance. Putain, mais il veut pas avancer du tout en fait, le bazar là. Non, mais c'est pas possible, on pourra pas. Je suis obligé de le dégommer avec son Touareg en fait. Ouais, c'est ça en fait, faut dételer, rateler. Ne vous inquiétez pas, messieurs, dames, tout est géré. Et c'est un truc de ouf quand même, hein, cette histoire. Vous inquiétez pas, tout est géré, hein, convoi exceptionnel. Voilà, allez, là, tu vas pas me dire que tu touches pas le sol. Voilà. Est-ce que là, il y a moyen que tu montes dans l'herbe? Ouais, non, y a pas moyen. On pourra pas monter, donc tant pis. Et copain, il bloque copain ou il bloque pas? Non, il me bloque pas copain. Aïe. Oups. Désolé les gars. Ok. Vous inquiétez pas, tout se passe bien. F. Ouais, ouais, bah ça va, collègue, hein, je te trouve pas très solidaire quand même. Parce que lui, il m'embête avec son Touareg. Hop. En fait, je tape sa remorque au collègue ou. Je sais pas. Je sais pas. Ok, donc ne vous engagez pas dans ce type de chemin. Voilà, votre camion pourrait rester bloqué. Du coup, au final, je sais pas si on s'est pris un mur invisible ou si c'est on s'est bloqué directement. Par contre, ça va être insupportable. La musique. Voilà. Parce que, à savoir, si vous voulez créer la map, mais enfin, pardon, si vous voulez télécharger la map, messieurs, dames, il faut recréer un profil. Du coup,
touches pour reconfigurer toutes les touches, c'est un peu la galère. Du coup, le client il va être livré 18h46. Ok, ouais, bah ça va, on va être à l'heure quoi. Enfin, à l'heure. On peut le dire vite, mais voilà, on lui dira qu'on a eu un petit incident. Du coup, la pression d'air qui sont plus bas. Pas de dégâts. Pas de dégâts cependant. Faites attention, même si votre camion a des allures de truck de l'extrême, voilà, il est possible que votre châssis bloque. Clairement. Clairement, clairement. Mais ça m'étonnerait quand même qu'on se soit pris un mur invisible. Alors, soit on, je pense que c'est le châssis qui a bloqué direct en fait. Oula, 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 ça lag. C'est le châssis qui a bloqué direct, je pense. Ça m'étonnerait qu'on se soit pris un mur invisible comme ça. C'est vraiment chiant les lags, il va falloir que je trouve une solution. Je pensais avoir trouvé la solution, finalement non. Donc en fait, ça s'en va et ça revient. Donc va falloir que je fasse un peu le tri et... Oh, il n'y avait pas un petit panneau de vous rouler à telle vitesse sur la droite là? J'ai cru voir un truc de ce style. Par contre, la pression d'air, c'est quand qu'elle s'arrête? Oh, on est en dessous de 5 bars de mémoire, c'est en bar. Ouais, voilà, nickel. Nickel, nickel. Mais en tout cas, voilà, pour revenir quand même là-dessus, c'est vrai que généralement sur ces maps, il y a plein de petites routes pour donc qui accèdent soit à des maisons, soit à des petites choses comme ça. Donc il y a moyen de s'y engouffrer. Bon, après, s'il n'y a pas de mur invisible, mais je pense pas que. Voilà, là-bas, il y a des trucs à voir aussi, peut-être. Mais je pense pas qu'on se soit pris un mur invisible quand même. Non, je pense pas. Je pense que c'est le châssis qui a dit nope. Hop. Nickel. Nickel, nickel. On a un petit tracteur. Du coup, on livre à Steinbrush. Donc, Steinbrush, ouais, c'est une carrière, quoi. Petit tracteur des familles. Bon, ça va. J'ai cru qu'on n'y arriverait pas. Mais finalement. On y arrive sans trop de dommages. Qu'est-ce que c'est que cette route? Ça fait de la poussière ou pas? Non, il faut pas de poussière celle-là. Dommage, ça aurait pu être sympa. Ça aurait pu être cool. Hop. En tout cas, on a l'air vraiment un petit peu perdu quand même. Hein. Écoutez, un peu en plein milieu de tout et n'importe quoi. Attention, il y a un passage à niveau. Hop. Nickel, on va pouvoir passer. On passe. What? Non mais on passe pas là en termes de hauteur. What? Non mais les gars, mais c'est... C'est quoi ce délire? L'antenne ne touche pas, s'il te plaît, sinon on crame. What? Mais c'est n'importe quoi, mais en termes de hauteur, mais... Putain, j'ai peur la remorque. Ok. Voilà, faut pas avoir un camion trop haut non plus, sinon on risque d'y avoir des petits problèmes. Des petits gros problèmes même. J'ai eu peur là, je vous avoue que j'ai peur. Moi du coup 4 minutes c'est bon, nickel, on y est. En même temps le mec il nous attend voilà, on a 15 minutes de battement, c'est un peu chaud quoi. C'est un peu chaud. Oh là là, la pression d'air, c'est pas possible. Hop. Du coup, nickel, on y arrive. On y arrive, on y arrive. Hop. Il y a des copains. Il y a des copains, il y a des copains. Hop. Salut! Ça va? Ouais, c'est Martin, je peux rentrer? Yes, nickel. Ouais, le Kaobu, pas de soucis. Hop. Petite carrière des familles. Ça, c'est stylé, ça. Ça, c'est stylé. Hop. Vas-y, j'en ai pas besoin. Hop. Salut, les gars, ça roule? Ouais, nickel. Hop. Stylé, hein. Stylé, stylé. C'est vraiment ce que je voulais faire en fait en allant sur des maps voilà comme ceci là, check map, Hungary, Truckers Map, c'était vraiment avoir du combat exceptionnel, des petites routes accidentées. Là je fais attention, vous voyez je roule doucement parce que j'ai vu que le terrain il s'était un peu déformé. Alors savoir par contre il y a un truc qu'on sait pas mais
les emplacements en fait on les voit pas. C'est un peu la galère. Ah si, là on le voit, ok, mais sur certaines entreprises on les voit pas. Les emplacements, donc c'est un peu tendu. Par contre je vais me passer en manuel. Parce que la boîte auto là, c'est un peu moyen. Nickel. Oh, le bruit qu'elle fait. Hop. Nickel. C'est vraiment stylé. Hein. C'est vraiment stylé. Cool, faut que j'essaie de bien me garer, c'est pas évident. Genre là, j'ai pris un peu trop long. Et à mon avis, ouais, voilà, j'ai raccroché. C'est mieux ce que je me disais. On peut se remettre comme ça. Voilà, faut que ça passe de ce côté-ci. Ouais, mais ça va pas passer ici. Tendu. Tendu, tendu. Va falloir qu'on s'y reprenne, je pense. Pas évident, hein. C'est pas évident, mesdames et messieurs. Mais là, pareil, je passerai pas à l'avant. Ah, couac. Si, là, il y a moyen que je passe ici, là. C'est un peu mieux. Ah, par contre, est-ce qu'il me l'accepte ou pas? C'est pas l'air. Il n'y a pas l'air. Comme ça. Ah, il veut pas, il est exigeant, ouais. Il est exigeant. Ah, les gars, du coup, maintenant le défi c'est plus de rouler, mais c'est de garer les remorques. Un petit coup de différentiel. Ça me change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Nickel, hop. Nickel, on est garé. Parfait. Parfait, parfait. J'bung. Voilà, mesdames et messieurs, excellent. Nickel, on n'a pas eu de dégâts. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, voilà, ça m'a fait très plaisir de vous la tourner. Vous savez quoi, on va même reprendre une petite photo ici. Avec les petits gyrophares des familles. Même si je sais que on n'a plus la remorque. Hop. Voilà. Sur la miniature, ça se verra pas. Complot caché. Complot, complot. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Voilà, ça c'est stylé comme ça. C'est stylé. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Ça m'a fait très plaisir de vous la tourner. Du coup voilà, check map. On va faire bah regardez. Regardez un petit peu la carte. On a fait ça comme trajet. Donc clairement la map est petite. Il y aura voilà, 3-4 vidéos dessus, grand maximum. Du coup Wally Walou, on essaiera de prendre des petits trucs un peu convoi exceptionnels, un petit peu de grue, de gravier, etc. Enfin de grue, pardon, de grumes. Les grumes c'est des gros rondins de bois. Du coup, voilà, voilà, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous aura plu. Tous les liens des mods en description. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!